Le foncier rural, le retour des exilés, des sujets qui préoccupent les autorités politiques et administratives de la région du Cavali. Ces sujets étaient au centre d'une réunion initiée par le conseil régional à Guiglo avec le corps préfectoral et la chefferie traditionnelle. Selon le président du conseil régional de Guiglo, Dagobert Banzio, le problème lié au foncier rural n'est pas un fait nouveau. C'est un problème inhérent à toutes les régions de la Côte d'Ivoire et s'est aggravé au cours des crises de 2000 et 2010, entraînant des cessions irrégulières de lopins de terre, des expropriations illicites et des occupations anarchiques. Compte tenu de la délicatesse des sujets, à Blolequin et à Toulepleu par exemple, les préfets ont par des décisions administratives déclaré nulles toutes les transactions qui ont eu lieu jusqu'à ce jour. À la rencontre des Guiglo, il a été décidé que l'état des lieux soit fait afin de définir la situation actuelle par département en ce qui concerne les ventes illicites de terres. Quant à la question du retour des exilés, sur 64 000 réfugiés au Libéria, 20 000 ont déjà regagné la Côte d'Ivoire grâce aux efforts des cadres de la région. Dagobert Banzio a souhaité la tenue prochaine du conclave Retour à Guiglo afin de promouvoir la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Libéria.